Saulieu, petite ville agréable située aux portes du parc du Morvan, en plein cœur de la Bourgogne, reste, en plus de son charme et de sa tranquillité, une ville très intéressante. Avec sa basilique romane du XIIe siècle, et sans oublier sa cuisine et ses chefs mondialement connus. De là, à une dizaine de kilomètres, le petit village de Liernais nous attend sur son magnifique aérodrome où se déroulera pendant tout le week-end le championnat régional UR2. On sait que ces 24 heures, nous devrons les passer dans un très bon esprit sportif, hein, un sportif aéronautique aussi, si vous voulez, si on respecte bien l'idée que l'on se fait, que n'oubliez pas, ce sont des épreuves, certes, mais des épreuves avec beaucoup de fair-play entre vous. Fair-play qui devra, où vous devrez mettre en avant chaque fois la sécurité, à la fois des équipages, des avions et évidemment des riverains quelque part. Le groupe débutera à 13h.
Qui ont eu des petits soucis durant cette navigation nous en fassent part, des soucis personnels au niveau de l'organisation, des soucis au niveau du maintien de la machine, du déroulement de la navigation, du trafic, des altitudes, des caps, de la météo et tout cela. Pourquoi ? Les points étaient trop à trouver, le cimetière, quel point qui est, la ferme, non. Ouais. Ouais, 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 mais ça c'est normal, hein. Oui, c'est normal. 600 droit. Mètres, pas avant 600 mètres. Tout le monde, bien sûr, se rappelle du règlement en ce qui concerne les atterrissages. Je vais rappeler en tout cas en ce qui concerne les non-atterrissages, pardon, hein, les fautes que vous pourriez commettre et qui seraient amenées à être volées. Sans dégager du sol, hein, celui qui se pose trois roues. Le tricycle, la première en même temps que les deux principales, ou même la première en premier, ça veut dire, c'est donné en premier. Là, on est à la normale, et vous serez, bien sûr, soit dans le cadre. Pour
pour un avion à train classique, il y en a la configuration que vous devrez avoir est une configuration avec une queue suffisamment sous l'horizontale et non pas un atterrissage de point. Hein, si vous êtes de point, vous vous posez sur un tricycle avec la roulette de nez pas suffisamment haute. Hein, la roue doit être dégagée d'une hauteur égale au diamètre de la roue. Hein, sur un DR 400, la roue fait à peu près 30 cm. À peu près. Il ne faut pas être à 5 cm, mais quand même bien dégagé. Comment, si vous voulez, à contre, à l'opposé du vent traversier se pose la première, c'est-à-dire si vous êtes en inclinaison du mauvais côté, ouais, pour contrecarrer le vent traversier, là aussi, ce sera considéré comme un mauvais atterrissage.
les ports vont être dégagés. Là. Madame Chine, du collège, je suis sûre.
d'aviation. En fait, il y en a un autre. Bien. Cette année, car dans les autres unions régionales où cette épreuve a eu lieu,
L'effectif a varié de 15 à 25 et nous 35. Preuve que de l'avoir réalisé à ce lieu avait en plus un attrait spécifique. Renaud du Garnin. Merci.